cette soirée est une soirée qui est organisée en partenariat avec l'ACE, l'AFE, le laboratoire La Place et Quartier Lumière. C'est une soirée qui est ouverte pour les professionnels qui ont un apport à travailler avec la lumière, les paysagistes, les architectes, les concepteurs lumière, les bureaux d'études, les syndicats d'électrification, les collectivités. L'objectif de cette soirée était de permettre à ces utilisateurs, à ces prescripteurs, à ces installateurs de toucher la lumière et d'avoir une approche différente de celle que l'on peut découvrir dans des salons d'éclairage lors de manifestations spécifiques. Alors, c'est une idée qui est née de la rencontre avec Lionel Bessière. Il y a quelques semaines, pas plus, on s'est rencontrés, il est venu me voir en me disant « j'ai besoin d'un site pour pouvoir faire mettre en condition réelle des sources de lumière. Les forums, les salles d'exposition apportent de la lumière et du coup perturbent la lumière des exposants. Donc il me faut un site. » Et je lui ai proposé, pourquoi pas, l'Université Paul Sabatier. Aujourd'hui, nous vivons une révolution. La même révolution qui s'est passée lorsque l'on est passé de la chandelle à la lampe d'Edison, la lampe à incandescence, où l'on parlait plus en candela mais en watts. Aujourd'hui, comme on a fait avec l'euro et le franc, on ne va plus parler en watts mais en lumens. Donc le fluor lumen est d'une certaine façon, c'est la lumière que l'œil perçoit. C'est la mesure de lumière réelle pour l'œil, adaptée à l'homme. Qu'est-ce qu'on a pris comme autre paramètre possible de dégradation de la visibilité? Eh bien, c'est un qui est fondamental, c'est l'ambiance lumineuse en dehors de celle de la route, mais autour de la route, qui produit des éblouissements qui sont contraires ou des suppressions de contraste qui sont très graves. Alors, sur le showroom, on peut trouver vraiment tout type de solutions. Les membres partenaires de la CE qui sont présents sont des membres qui sont, selon leur spécialité, spécialisés soit dans l'éclairage public, dans l'éclairage d'illumination, dans l'éclairage intérieur, dans l'éclairage muséographique. Cette journée est organisée en deux étapes. Tout d'abord, il y a eu une série de conférences qui étaient dédiées aux présentations des associations qui ont organisé, des sociétés qui ont organisé cette soirée. Et ensuite, on se retrouve ici donc, pour manipuler, ce qui est vraiment l'objectif de la soirée, pour manipuler la lumière dans des conditions intéressantes. Et ensuite, pour un buffet qui est également un élément majeur de toute soirée qu'on organise.